Charles, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aux Amis de la Terre? Ouais, du coup, moi je suis au Conseil fédéral, le conseil d'administration des Amis de la Terre, depuis un peu plus d'un an. Je l'ai rejoint parce que je participais à la campagne Amazon sur production. Du coup, concrètement, dans le cadre de cette campagne aux Amis de la Terre, notre projet global, hein, c'est de construire des sociétés soutenables, de lutter, voilà, pour un monde plus juste et qui tient compte des limites physiques de notre planète en réduisant les inégalités sociales et avec le concept de justice climatique. Et donc, pour ça, Amazon, c'est un adversaire qui est extrêmement emblématique et qui est très concret pour beaucoup d'aspects. Donc très concrètement, en France, on lutte contre son implantation, contre son développement tentaculaire, puisqu'Amazon a des dizaines de projets d'entrepôts. Alors, Amazon, justement, le problème, c'est que derrière la promesse d'emploi hein, qu'ils font parfois aux élus locaux, il y a une destruction d'emplois réels. Et aujourd'hui, on voit que les pouvoirs publics ne font rien pour contrecarrer, empêcher ou contraindre, du moins, Amazon à éviter ce système de destruction d'emplois et de destruction climatique également. L'activité de e-commerce, elle est beaucoup plus efficace, on va dire, que le commerce de détail. Il y a besoin de moins d'employés pour livrer plus de marchandises, ce qui fait que plus on développe le e-commerce, plus ça va, enfin moins ça va nécessiter d'employés pour le même service. Et donc, même en prenant en compte l'augmentation du volume de marchandises qui reste un objectif, eh ben on va détruire pour un emploi créé par Amazon notamment, mais aussi par Cdiscount, pour la Fnac, etc. Un emploi créé, ça va être jusqu'à 4,5 emplois détruits. Donc, par exemple, aux États-Unis, entre 2008 et 2019, il y a une étude qui est sortie l'année dernière pour montrer que ça avait détruit littéralement chaque emploi créé dans le e-commerce, avait détruit 4,5 emplois dans le commerce traditionnel, dans tout le panel d'activités que ça recoupe. Et en France, c'est parti pour faire encore pire que ça, parce que voilà, on a des réalités économiques un petit peu différentes. Et donc, là-dessus, effectivement, on a des élus locaux qui voient, quand on leur propose un projet d'entrepôt Amazon, eux, ce qu'ils voient, c'est 1 500, 2 000, 2 500 emplois créés. Mais ce qu'ils ont pas en tête, et ce qu'on va essayer d'aller leur expliquer, c'est que ces 1 500, 2 000, etc., emplois créés, en fait, ça représente 6 000, 7 000, 10 000 emplois peut-être détruits enfin, dans la commune et dans les communes environnantes, dans tout le bassin d'emploi de la région. Sachant qu'en plus, c'est des emplois qui ne sont pas forcément les plus agréables, c'est des emplois qui sont peu qualifiés, c'est des emplois qui sont difficiles physiquement. Et alors, décrocher les portraits de Macron, pourquoi? Ouais, alors, donc, effectivement, je fais aussi partie de Action non violente COP 21, ANV COP 21, et sur l'année 2019, on a mené une campagne de décrochage de portraits d'Emmanuel Macron, donc à une quinzaine de personnes un peu partout en France. On est rentré dans les mairies, qui sont des bâtiments publics. On s'est rendu dans la salle des mariages pour aller décrocher le portrait d'Emmanuel Macron. Et ça, en fait, pour une raison assez simple, c'est que aujourd'hui et depuis qu'il est élu, Emmanuel Macron, non seulement il n'a pas de politique climatique cohérente et efficace, même au contraire, il soutient parfois des projets climaticides, on va y revenir aussi. Et en même temps, donc il a ce double discours où pendant qu'il fait rien ou qu'il fait pire, eh ben il prétend qu'il fait suffisamment, qu'il prend en compte l'urgence climatique. Juste avant le G7, on se souvient de son interview pour Combini où il disait, voilà, j'ai changé profondément, les belles images devant la mer de glace, où il disait qu'il avait vraiment pris conscience du problème. Mais dans les faits, rien n'est là. Donc voilà, en décrochant le portrait, en laissant un vide dans les mairies, à l'emplacement du portrait, on dénonce le vide de sa politique climatique. Et est-ce que tu as un message à faire passer à Jeff Bezos? Alors déjà, je parle assez mal anglais, donc je ne vais pas faire ça. Non, plus sérieusement, enfin, Jeff Bezos, aujourd'hui, il aurait la capacité de faire énormément de choses très bien avec son argent. Il pourrait le rediriger pour plein de choses. Je sais qu'il y a un compte Twitter qui, tous les jours, pose la question: est-ce que Jeff Bezos a décidé de régler le problème de la faim dans le monde aujourd'hui? Puisque avec ce qu'il gagne chaque jour, il pourrait le faire. Voilà. Et donc tous les jours, ça dit non, Jeff Bezos ne fait pas ça. Jeff Bezos préfère utiliser son argent pour aller dans l'espace. Jeff Bezos préfère donner des conditions de travail déplorables à tous ses employés qui créent sa richesse. Voilà, leur laisser des pauses tellement courtes qu'ils sont obligés de pisser dans une bouteille voilà, pour pouvoir lui empocher un peu plus de dividendes.
Non, je pense que si j'étais face à Jeff Bezos aujourd'hui, j'aurais un tout petit peu de mal à garder mon calme et à lui donner un vrai message. Et je pense qu'il serait en plus suffisamment intelligent s'il le voulait pour très bien savoir quoi faire de son argent plutôt que ce qu'il fait avec Amazon et ses autres sociétés actuellement. Et dans le débat pour 2022, quelle va être la place, à ton avis, de l'enjeu écologique? Eh ben, j'espère qu'il va être central. Il devrait être central, hein. Ça fait 50 ans maintenant qu'on a des rapports dans tous les sens qui expliquent clairement la situation. 72, si je ne me trompe pas, le rapport Meadows, les limites de la croissance pour le Club de Rome, qui disait déjà, qui traçait déjà les trajectoires dans lesquelles on est actuellement. 1990, premier rapport du GIEC. Le GIEC, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un organisme intergouvernemental. C'est des États du monde entier qui sont représentés par des scientifiques et qui atteignent ensemble un consensus. C'est vraiment du sérieux, du solide. Ils ne racontent pas n'importe quoi. Chaque mot qui est écrit dans les rapports du GIEC, il est pesé. Ils vont jamais trop loin. À chaque fois, ils prennent des pincettes et des pincettes. Et donc, quand ils disent qu'ils sont sûrs à 99% que la situation est désastreuse et qu'on se dirige vers des augmentations de la température de plus 1,5, plus 2, plus 3 et des conséquences que ça va avoir. Enfin, est-ce que l'enjeu écologique sera vraiment au centre des discussions pour 2022? Eh ben, je ne sais pas. Ça dépend pas que de moi. Ça dépend aussi du système médiatique qui est compliqué, sur lequel on a peu de prise, qui est contrôlé d'ailleurs quand même assez massivement par des milliardaires, enfin, et des personnes qui contrôlent aussi l'économie. Donc c'est assez délicat de savoir comment est-ce que ce débat public va se passer.